Salut à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Je suis en compagnie de Aniki et Goodstone. On va jouer à Need for Speed 3 sur PlayStation. Je vais laisser au joueur 1 le choix de, bah c'est un peu tard mais c'est pas grave, de changer la langue ou de skipper l'intro. Salut, salut. Salut, Et salut à salut. vous, oui pardon, effectivement. Je laisse l'intro ou non? Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez laisser Écoute, l'intro ou pas. je relaisse l'intro pour le plaisir des yeux. Façon PlayStation. Franchement, ces voitures ne vous font pas rêver. D'ailleurs, petite remarque, je me rends compte que dans l'intro, ils ont mis la CLK, mais ils ont mis la CLK de course. Ouais, Mais ils avaient de sorti, la FIA GT. ils avaient sorti des modèles, un modèle De route. de route. Mais ils n'ont pas De utilisé route, ouais. celui-là. D'ailleurs, on le voit même pas dans l'intro. On a Du un coup, c'est F1. parfait. Donc, on est en mode anglais. Je vais mettre le mode de joueur, bien sûr, sinon ça va être un peu compliqué. Ok, je crois qu'il y a un petit problème avec mes touches. Ok, pas de soucis. Bon, on va régler ça et on se retrouve dans la vidéo juste après. Voilà, c'est donc résolu. Alors, c'est donc Gustav qui est le joueur 1, Aniki le joueur 2. Donc, vous êtes en mode 2 joueurs. On va commencer par un mode très basique. Vous allez faire le mode course simple. En mode Voilà. arcade, parce que comme ça fait longtemps que vous n'avez pas joué tous les C'est deux, ça. apparemment, on va se faire la simplicité. Skill level, on va mettre beginner pour commencer. Voilà. On va pas mettre le edge start, c'est-à-dire l'écart de temps entre les deux pilotes au départ. Le On va le départ mettre à désiré, on va 0 parce dire, qu'on c'est connaît ça. pas le niveau encore. Le catch-up, on va l'activer, c'est-à-dire que le joueur 2, enfin, le joueur qui sera deuxième pendant la course aura un léger boost pour pouvoir rattraper le premier. Voilà, c'est comme dans les autres jeux. Donc ça, c'est pas mal. Tu fais start, vas-y, je te laisse avancer. On va Vas-y. faire le premier track qui est Hometown. On va mettre pas 4 tours, c'est un peu long, on va mettre 2 tours. Ok. Start. Alors, est-ce que vous voulez mettre la... Non, on va laisser comme ça. Premier, on va faire facile. Donc, je te laisse faire start. Et en fait, c'est simple. Vous choisissez la voiture que vous voulez pour le moment. Sauf que vous n'allez pas prendre. C'est pas là, c'est le cas, s'il vous plaît. On va prendre une voiture normale, allez. Voilà. Et pour le Je vais prendre moment. la NAS, pardon. Voilà. Et pour le moment, vous allez prendre la même voiture. Et c'est Kuston qui choisit. Et la prochaine fois, ça sera Aniki. Écoute, Baron, je te propose la NASCAR. C'est la version exclusive c'est une voiture exclusive à la version PS1, voilà. Ouais, je passe ça en violet. Alors tu fais Appuie start si tu veux sur valider. start. Start? Ok. Full grid si vous voulez mettre des IA ou si vous êtes que tous les deux, vous mettez. En mode de joueur, tu n'auras le droit qu'à une seule IA. Voilà. Et vous pouvez faire start. Oui, du coup, à pas comprendre avec une voiture de NASCAR. Et tel C'était design facile ça. NASCAR. Ah, elle était facile. Donc Need for Speed 3 qui est sorti en 98 si je dis pas de bêtises. Oui. Le jeu qui est très orienté arcade honnêtement, donc ça devrait passer même si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Ah, moi j'ai jamais joué. Mais... Tu verras, ça va être marrant. Par contre, pourquoi Baron est devant moi? C'est pas cool ça. Parce qu'il faut bien quelqu'un de devant. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, des crasses, pas des crasses. De toute façon, il y a plusieurs modes de jeu, vous allez voir, ça va être sympa. Le circuit Hometown, le circuit de début du jeu, hein, tout De base, quoi. simplement, voilà. Le plus simple, alors la framerate qui va laguer, c'est normal, hein, on est sur PlayStation. Et Alors, attention. voilà, il y a différents endroits où on peut passer. Ça vient des décors destructibles, là.
Et là, vous êtes 4. Donc il y a deux IA contre vous. Je pensais qu'il n'y en aurait qu'une seule, mais... Alors, bonne chance à tous les deux. Merci. Ah oui, l'image pixelisée, oh là là, c'est... C'est ça, ça vieillit, hein. Ça surprend. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Oh là là. Alors, un gros virage après, je vous préviens. Voilà, bah, c'est juste après. Encore un autre à gauche, attention. Oh, ouais, faut bien freiner là. Ouais, alors le frein, je vous conseille, faut vraiment le faire un petit peu à l'avance. Faut utiliser le frein à main surtout, en fait, c'est ça. Même pas. Il faut aussi tapoter et prendre. Faut vraiment être. Bon, freiner à l'avance, parce que si vous freinez d'un coup, ça freinera pas, de toute façon. Et attention, à chaque saut là, vous perdez votre. Vous pouvez facilement perdre le contrôle, quoi. C'est à tout front pour faire le train à main? C'est ça, oui. Ah, par contre, la technique du frein à main, ça sert à freiner? Ou c'est vraiment une blague? C'est, ouais. Là, la preuve, j'utilise le frein à main. Ok. Regardez. Ah, pour le moment, vous êtes pas mal tous les deux. Vous êtes pas loin, en fait. Hein. C'est pas mal. Par rapport à un certain niveau, vous avez l'air pas trop mal. Par contre, le premier, là, il ralentit subitement. Oui, les IA sont pas folles, là, je vous le dis. En mode facile, oui, j'avoue. Oh non, j'ai pris le. Oula. Ouais, en fait, triangle ou triangle carré, je sais plus. Triangle pour reculer. Il me semble qu'il y a, alors on le fait pas, hein, mais je crois que si tu appuies sur R2 ou L2, tu resets la voiture. Ah, ok. Voilà, donc je le fais pas là, parce que dans tu le décor, moi. Alors fais attention, ça ne marche pas souvent. Oui, donc dans le doute, tu peux essayer, mais je le fais pas. Putain, ça va trop vite, là. Oh, putain, oi, t'as lagué. Oh. Oh. Wow. Ouais, là, c'était là, joli, le hein. Gros carton là. Ah non, mais là t'as marche arrière dans le mur là. T'es pas dans le mur. Il faut que t'accélères. Mais comment on fait? En fait, t'as marche arrière. C'est pour ça, tu fais reculer, mais t'étais. Ouais, c'est pas grave, de toute façon. Ah, par contre, ce qui m'impressionne quand même, c'est que bon, certes, la framerate elle a pris cher, mais ils ont pas trop enlevé de détails hein, sur le circuit. Non. Par contre, le détail des voitures, ouais. Oui. Vous verrez après quand je passerai l'arrivée. Que c'est pas très très joli, quoi. Enfin, même si c'est fidèle, mais. Regardez. Et du coup, t'as fini premier, bravo. Merci. Et d'ailleurs, voilà. Allez, du coup, voilà. Maintenant, on voit Nikki au-dessus, ça c'est pas mal. On peut voir le joueur 2. Dans ses heures. Admirer la classe. Alors, ce qui est dommage aussi en mode de joueur, c'est qu'il n'y a pas de musique, quoi. Voilà. Ah, j'ai pas fait gaffe, effectivement, il n'y a pas de musique, t'as c'est raison. C'est ça. Alors, je vais juste faire un petit réglage tant que j'y suis sur le volume de Aniki pour augmenter un petit peu, voilà, c'est fait. Alors, évidemment, vous le savez déjà ce qui s'est passé, le fait d'avoir entré ce nom. Pour ceux qui connaissent le jeu, je te laisse faire Star, je pense que ça sert à rien de rentrer les noms, il y en a pour trois plombes. Attends. À la Géo. Aniki, si tu veux, tu peux écrire A à la limite. 8, voilà. Et donc Goucht qui remporte la première manche. La victoire d'un néerlandais. Oh, il y a trop, non Par contre, je suis le moins rapide côté vitesse de pointe. Hein. Voilà. Bah, c'est en soi un peu logique puisque t'es ralenti par rapport au joueur qui est derrière. Allez, vas-y, je te laisse faire suivant. Mais je crois que Need for Speed, c'était un des premiers à faire apparaître, vous savez, des vidéos dans un jeu vidéo sur PlayStation 1. Genre un des premiers jeux à mettre des vidéos. Ça. C'est ça. D'accord. Alors, vous avez regardé le mode de joueur, évidemment. Reviens derrière, s'il te plaît. Pardon. Du coup, vu que tu as été devant, tu vas partir une seconde derrière... Alors je sais pas, le problème c'est que je sais pas qui c'est qui commence en fait, c'est le P2. Non, c'est P2, tu mets P2 et tu vas rajouter 2 secondes. Voilà, c'est tout. Catch-up, on va le garder. On reste en mode beginner, ça vous va au niveau maniement? C'est ok pour ouais. Vous ouais. Ok, ça marche. Reviens, voilà. Track, on va changer, tu vas tourner encore. On va prendre Atlantica exactement. Ah, j'adore c'est le cadre d'Atlantica. Alors, c'est maintenant Guston, c'est Naniki qui va choisir le véhicule. Alors, du coup, je sais pas si t'as la main ou pas. Oui, j'ai la main. Non. Alors, tu vas défiler les voitures et Niki choisira ce qu'il veut. Non.
Sauf le CLK, et la El Niño non plus. ce sera pas ça pour l'instant. Ni la CLK, ni la El Niño. Oui. Parce que ce sont les plus, y a quoi encore les plus rapides. Celle-là. Il y a quoi encore? C'est tout? La Corvette, ok. La Punta. Bah, la Ferrari, hein, la 355. Ah, la 355. Ah non, mais vas-y, mets la 550 par année. 550, ok. Ouais. Alors, ouais. Vous pouvez choisir de mettre la BS, oui ou non. Hein. Ça, c'est moi, non. Annonce. Moi, je vais faire tout comme Boston. Alors, toi, vas-y, attends, Baron. Vas-y, tu vois. Je recule. Tiens, je te redonne. Ah non, non, c'est moi. Ouais, ouais. C'est ah, ok. T'as pris quelle couleur, toi, jaune? Rouge. T'as pris jaune. T'as pris jeune, c'est en hommage à moi-même. Alors merci. Ça c'est les opposants, ouais, bien fait de mettre les mêmes parfaits. Merci Baron, ça me fait chaud au cœur. Bon, on va arrêter les blagues maintenant. Alors ce circuit est quand même beaucoup plus difficile que celui que vous avez fait avant, enfin beaucoup plus, un peu plus. Mais j'aime bien. Il est virage, hein. Il y a plus, il y a plus. Oh là 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 là. Quoi, je me suis embarqué, moi. Ça va être terrible. C'est où pour changer les trains? Oh, deux secondes, c'était léger. Hein. Ça, c'est... Écoute, non. J'ai effectivement stop and go, c'est bon. Parfait. Bon, de toute façon, vous avez un niveau qui avait l'air assez similaire, donc c'est drôle. Oula, oula, oula. Ça rame un peu. Ne surcote pas, non? Alors, juste après cette course, on faites-moi penser à faire une légère pause, histoire de régler autre chose encore. Ouais, oui, ça glisse. Aïe. Attention. Ah, le ça... mur. Et là, ça a bugué chez moi. J'ai eu une minute de bug et... Une minute, une seconde. Ça, c'est la partie la plus stressante du circuit. Hein. Je suis sûr de toi. Oui. Parce qu'il y a une autre partie du circuit qui est pas facile non plus. Oui, j'avoue aussi, mais bon. Donc, Guston, toi, tu as joué et... Aniki, toi, jamais. Oui. Non, je l'ai joué au Need for Speed 2. D'accord. Mais pas au 3. Pas au 3. Non, j'ai eu le Need for Speed 2, je l'ai eu pendant un long moment, mais pas au 3. Alors, Need for Speed 3, c'est le sujet qui m'a fait découvrir la série, en gros. Avec le 4 en même temps. D'accord. Bon, bah oui, le 3, c'est. Bon, c'est le 3, ça a bien marché, mais c'est vraiment le préféré des gens. Souvent, ils ont aimé le 4 ou le 2. Après le 4, oui, c'est un ton au-dessus, même si la manualité n'a rien à voir. Mais les deux, j'ai vérifié les prix dans son nom sur le marché en occasion, mais ça a pris une cote de fou. Sur la version, laquelle version? La version PlayStation, Saturn PlayStation 1, non, PlayStation 1. Ok. Alors vous remarquerez que sur la droite, il y avait un petit raccourci. Oui, mais bon, c'est un peu risqué. Il est un peu compliqué à prendre. Attention, vous pouvez aussi aller à gauche, mais attention, il est... Voilà. Attention. Ah oui, le ballon dirigeable. Voilà, on arrive sur la zone portuaire. De toute façon, vous aurez droit à une revanche sur le circuit de votre show après aussi, donc... si vous voulez refaire un circuit en particulier... Ouais, c'est la version fictive de Miami, ça. C'est un peu ça, c'est plutôt... En fait, c'est un peu de tout et de n'importe quoi. Oui, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que c'est du n'importe quoi. l'immersion par rapport aux 2 et aux 4, qui ont tendance à avoir les circuits un peu plus... entre parenthèses réaliste. Attention, là faut utiliser les freins, dans le tunnel. J'ai un peu merdé. Allez, tout n'est pas perdu, 6 secondes d'écart. Qui klaxonne? Mais. C'était Zia, hein. Mais comment on peut pour klaxonner? C'est le bouton haut. Ah, ok. Oh non, Aïe, oui. Mais c'est un circuit qui est. C'est un circuit assez piégeux. Alors après, t'as choisi la voiture qui est pas forcément la plus facile à piloter. C'est comme la Jaguar. Hein. C'est deux modèles qui sont un peu tendus. Ça va, la 550, c'est une bonne voiture, quoi. Ça va, c'est une bonne voiture. Mais je trouve qu'en termes d'accélération, elle a tendance à beaucoup plus glisser que les autres. Bah, si ça avait été la Diablo, là, ça aurait été... Ouais. Alors après, on testera un autre mode de jeu d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Boston, t'as joué longtemps à ce jeu? Pendant un petit moment, oui. Oula. Sur PlayStation 1.
Oui, c'est ça. Quand je l'avais. Oula, oula, c'est chaud. C'est une bataille entre les deux. Et bah, les murs, c'est vraiment rédhibitoire dans ce jeu. Alors, est-ce qu'il va tenter de le raccourci ou pas? Ah non. Où c'est où? Ah, c'était où? Je cherchais en plus. Ah non, non, mais ça c'était chez Ghost, on t'y pas encore, t'inquiète. Ah. Tu veux essayer de le prendre, mais ça va être difficile à prendre. Hein. C'est difficile à voir, hein, honnêtement. Ouais. On va découvrir là, que ça fait. C'est à droite là, tout de suite. Ah, trop tard. Ouais, ouais, trop tard. Le temps de voir. Ça. Ah, putain, j'ai vu, c'était entre les murs, non? Oui, oui. En fait, le problème c'est que si t'es pas du bon côté, c'est compliqué. Attention! Aïe, t'as pris le mur. Ça va aller? Ah oui, après je ressors par là après. J'ai vu la sortie du raccourci. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Formula One. Et Gustav qui va remporter, mais qui ne remporte pas la course. Non. Elia a été plus forte. Trop de petites erreurs. Ouais, Elia est en mode facile en plus. Hein, donc, c'est pas un jeu facile en soi, quand même, hein, faut se le dire. Je trouve que Elia, parfois, les coups, des chocs avec Elia, ça pardonne pas. Quoi. Oui. Yes. Ah, belle prise de virage, la chicane parfaite. 21 secondes de retard. Bon. Ça va, y'a pire. Alors, on va laisser le circuit, il est traître. Allez, Gugilt. Ah, bah, maintenant, non, vraiment. Alors, ce que je vous propose, on va faire une pause pendant qu'ils mettent leur prénom et on se retrouve juste après. Allez, de retour, je vous laisse avancer pour la suite. Et on va changer de mode de jeu. Et on prendra le circuit de Red Pass. Je confonds avec Red Rock Valley, qui n'a rien à voir, hein, c'est Gran Turismo 2. Je retire le start. Le oui, stopper. Oui, là par contre il faut le retirer. Alors, tu vas changer le mode à Single Race. Tu vas te mettre en haute poursuite. Ah, ça c'est intéressant. Tu verras, Baron. Ok, ok. Je vais faire start, tu vas changer donc quoi, Red Hot Ridge, voilà exactement. Celui-là ? Ok. Et vous allez mettre deux tours, ça suffit. Alors, par contre, vous voyez, vous pouvez pas prendre celle-là. Les Ferrari et les Mercedes ne sont pas admises en mode poursuite, voilà. Pour des questions de droit. Oui, oui, Ferrari ne veut pas voir ses voitures. Ouais, je me dis bien, je me dis bien. Alors que les autres constructeurs, allez-y, quoi. Alors, on prend quoi? Alors, vous allez prendre. Non, pas la Corvette. Vous allez prendre la. Non, ni la Countach, elle est trop compliquée. Vous allez prendre, je pense, la Diablo. La voiture qui m'a fait découvrir la Mars, quoi. Vas-y. Bah c'est franchement le modèle le plus. En soi, peut-être le modèle le plus simple à manier, il est assez rapide en plus. Le simple, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais ouais. Oui, enfin en comparaison des modèles que vous avez utilisés avant. Bah voilà, du coup, je vous laisse partir pour la. Ah mince, pardon. C'est moi qui. Vas-y, appuie sur start. La troisième manche. Bon. Bon, on compte les points, mais. Ça va être là 1-2-0 pour le moment. Franchement, elle en jette pas avec ses stickers SV et ses phrases camontables. Oui, j'ai jamais compris pourquoi il y avait ça, mais. Alors, donc pour rappel du principe, si tu te souviens ou pas, le but c'est de finir en premier de la course et de pas se faire arrêter par la police. Oh là là. Et vous êtes que deux. Attendez, j'ai pas encore prié avant de faire cette course. Et je crois que potentiellement il y a même aussi des voitures civiles. En mode de joueur, je ne sais plus par contre. On verra, je attendez, je sais plus trop. J'ai détruit le décor. Oui, ouais, on pourrait faire. Attention, gros virage à droite, voilà, je préviens un petit peu à l'avance. Attention, ça y est, ça va commencer. Ouais, allez, la police arrive. Là, alors la police dans là. Ce jeu est incroyablement difficile. Oh et voilà, du coup. Oui, oui. Du coup, tu as déjà pris une première prune. Non, j'ai arrêté. Oui, oui. Oh, c'est si ton avertissement. Voilà, si tu te fais un maximum plus amende. Voilà, 2-1. Ah, ok. Donc, la troisième, c'est terminé. Alors, vous inquiétez pas, si vous mourrez très vite, on recommencera la même partie. Allez-y chez Goodson, allez pas chez moi. Non, allez-y chez l'autre voiture mauve là. Alors, il est plus facile à prendre. Ce qui est paradoxal, c'est que même si tu t'es fait arrêter,
et que t'es deuxième, les policiers se fichent, vont continuer à aller te chercher. Alors il y a moyen de couper à l'intérieur, mais voilà, prends l'épingle normalement. Attention, il est flic. Attention. Oup. Non, non, bien sûr. Ah, non, non, non. Ça, j'ai payé mon amende. Allez, maintenant, laisse-moi partir. Voilà. Alors, c'est vraiment un mode difficile, hein. Je préfère vous le dire. Et encore, on est en mode beginner. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, on fera Driver 2. Je comprendrai aussi pourquoi. Ah, oui, il te l'a bloqué. Oh, il t'a bien bloqué, en tout cas, Guston. Oh non, 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 le mur, mais non, mais moi, je vais dans le mur comme un débile. Ah, et je crois que c'était terminé pour toi. Alors, moi, facile, peut-être que t'en as plus. Ouais. Et une amende. Ah, il est... Je crois la prochaine fois. Ouais, je pense que c'est. Je crois que c'est peut-être 5 fois en mode facile, à voir. Oula, qu'est-ce que tu fais? Alors là, pourquoi je ne prends pas de risques en fait? Bah ouais, malheureusement, par rapport au jeu, là, c'est pas ce qui est le plus payant. Oulala là là. Alors par contre, la Goodstone. Oh, il va. Et non, il peut pas réussir à partir. Vous avez vu? La police a créé un barrage là, sur ce cas. Et d'ailleurs, quand vous restez longtemps à la poursuite, vous arrivez, vous esquivez longtemps, il y a la corvette. Ouah, attention! Ah, dommage! Mais la police, ils sont fous! Ah oui, ils sont complètement fous. Et tu remarques qu'il y a une corvette. Il y a une corvette à côté aussi qui débarque. C'est ça. Et en mode difficile, c'est une Diablo qui fait office, qui remplace la corvette en fait. Bon, voilà, c'était. Mais le niveau dans Need for Speed, c'était. Mais je me rappelle dans mon souvenir, Need for Speed 2, c'était vraiment. Difficile, hein. Ça confirme à nouveau. Alors, on va peut-être la refaire après en tant que t'as. Ouais, peut-être. Coup, ça termine. C'est vraiment bien. Tu veux qu'on recommence maintenant ou. Non, vas-y, termine. Mais d'accord. C'est vraiment bien, j'aime bien ce que vous m'avez dit. Oui, parce que potentiellement, il peut aussi abandonner, hein. Ça fait l'air qu'il a fini la partie. Hein. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, ouais. C'est que vous avez des tout-terrains qui sont aussi performants que ma Diablo. Oui. Ce qui n'a aucun sens en soi. Voilà. Arrêtez Gusto, il n'a pas payé ses impôts, arrêtez-le. Quand tu sais ça? En Lamborghini, une chance sur deux. Hein. Ah, tu t'en sors bien quand même. T'en sors bien. Ouais, Gusto, ça va, il a la main. Ça se perd pas, c'est comme le vélo. Ah, il connaît raccourci. Ah, tu t'es loupé. Il est parti se cacher, il est ressorti. Je crois que t'as fait tellement la police, il s'attendait pas à ça. Tu l'as fait exprès? Non. Le Red Rodriguez, c'est l'un des circuits les plus faciles du jeu, quand même. Ah, ok. Oula, attention, ils ont installé un barrage devant. Oh là là. T'as rompu le mur. Ah, du coup, c'était impossible à esquiver. J'ai pas fait. En fait, tu n'aurais pas pris le rocher en retombant. Potentiellement, tu pouvais repartir. Je pouvais repartir sans mes rouilles, je pense. Ouais. En plus, c'est une corbette qui te pourchasse. C'est ça, au bout d'un certain moment, oui, comme Kim le disait. Et d'ailleurs, la voix change. La corvette, c'est une femme, normalement, un policier qui parle. Hein. C'est... La voix, elle change. Comme par hasard. Alors là, j'entame le tunnel, c'est la partie la moins évidente du circuit. Non, ah ouais. Je ne m'arrêterai pas. C'est là qu'on voit qu'ils sont vachement incisifs. Hein. Je dis, il n'y a vraiment que Driver 2 ou Driver 1 qui fait pire. Ouais, regarde, ils essaient de me bloquer, vous voyez. Ah, ta voiture. Et restez là. Ouais, bon, je suis en prison. Boustol, faut que tu viennes me délivrer, là. D'accord. Oh, bah, je le fais pour Baron, je le fais pour Yann, je le fais pour Dragotron. Et pour Crash également. Et pour Mojo. Quand j'étais gamin, ce pont, on peut le casser toujours. Et je pensais qu'il allait s'effondrer complètement, mais pas du tout. Et bah, bravo, Guston. Merci. Bravo. Merci. Mais j'ai vraiment cru que c'était fini après ma deuxième amende. Bah, je crois qu'il y en a, on pourrait en prendre 4, donc c'est quand même pas mal. J'adorais cet écran de fin avec la musique. Les musiques sont trop bien. Et quand tu voyais tout le monde qui s'est fait arrêter, je trouvais ça trop épique. Bon, le jeu n'est pas jouable à 4, évidemment. On l'a vu au niveau de joueurs, au niveau de la framerate. 4, c'était impossible. Alors, on va rester en mode de poursuite. Est-ce que vous voulez refaire la même partie, ou changer de circuit, ou d'autres voitures, ou ce que vous voulez? Comme vous voulez.
Alors c'est toi qui vas décider du coup, Aniki. Vas-y, je te laisse décider. Je les connais pas, moi. Alors après, c'est les circuits un peu difficiles. Donc si vous faites un mode contre la police, potentiellement, ne faites pas un circuit trop difficile. C'est quoi le plus simple? Celui-là, il est bien, non? C'est bien. Soit Hampton... Il est extrêmement difficile. Oui, il est extrêmement difficile. Ah oui, mais je l'avais pas vu. Montre les autres. Non, les autres, c'est ça se prend, ça aime pas, je crois. Ça, c'est le premier circuit du jeu. Non. Et l'autre, c'est quoi? Il y avait... Ouais, Alors, qui ouais. passe C'est moyen. C'est moyen. Vous pouvez essayer, par exemple. Ouais, on essaye, vas-y. Ouais. On y va? Ouais. Go. Alors, prenez la voiture que vous voulez, par contre. Je vous autorise à prendre n'importe quelle voiture. J'ai peur que je... Ah, moi, je vais la tenter, moi, El Niño, je crois. J'avais tellement entendu parler, je l'ai jamais essayé de ma vie. Attends, tu vas voir les performances de El Niño, regarde. C'est celle-là. Oh purée. Bon, bah, attends, je vais choisir ma voiture. Allez, celle-là. C'est rare qu'on vous la voit dans ce jeu. Ouais, c'est El Niño. Et on va vite comprendre pourquoi, hein. Ah, mais j'en ai tellement entendu parler, mais jamais essayé, donc c'est le moment. Bah, félicitations, Baron, écoute, hein. Voilà, t'as gagné la course. Bon, avec mon pilotage. Alors ça a strictement rien dans le sens où là, il va falloir être ultra réactif et putain rapide, puis évidemment, il y a des chances de faire des erreurs. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole, sérieusement? Oui, j'ai jamais compris, ils ont pris un concepteur. Je sais même pas s'il existe d'ailleurs, en vrai. Non, même pas. C'est que ça manque énormément de véhicules dans le 3 aussi, on n'a pas trop parlé, mais par rapport au 2, par rapport au Mans 1, il n'y a pas beaucoup de véhicules, et encore moins par rapport au 4. Alors, dans la version PC du 3, t'avais quand même plus de voitures. Ouais, dans le 2 sur PS1, il y avait beaucoup de voitures quand même. Plus les voitures du trafic, quoi. Et que là, même il y avait des vidéos de présentation de chaque voiture. Bah, comme dans le 3, quoi. Ah, ok, j'avais pas. Et dans le 4 aussi. J'aimais beaucoup ce concept de... Attention. Voilà, attention, il va y avoir les flics. Vas-y, Baron, vas-y avant. Hein. Oh non, mais vas-y, mais moi en plus je mets dans le mur et tout. Ah bah tous les deux. En même temps. Alors t'as pris un warning, je crois. C'est même pas... Ouais, c'est un avertissement. Un avertissement. Ouais, mais tout à l'heure il avait un find, alors je sais pas si c'est... Non, il m'a mis un warning, pareil. Oui, mais tout à l'heure il avait mis un find sur l'autre partie. Par contre, j'adore la réaction du policier. La vitesse est dangereuse. Oui. T'es sérieux, c'est catastrophe. Tous les deux, vous êtes fait avoir au même endroit. Il y a un raccourci à droite d'ailleurs, je crois. Non, mais la voiture, elle est. Avec le frein à main, elle est hyper sensible, quoi. Est-ce que c'est un raccourci à droite là? Non, je crois. Ouais, je pense, hein, non? Ouais. Je sais pas, j'ai vu un si, truc. Si, ça rappelle. Alors, un peu à la gauche par exemple, mais honnêtement, les raccourcis dans Need for Speed, c'est rarement le bon plan. Parce qu'on est souvent. Faut vraiment sur être les... sûr, hein. Ouais, voilà. Oh là là, par contre, t'as les deux ou. Il y a un gros virage après, si je dis pas de bêtises. Ici. Non, ça va, ça passe. Je crois qu'à la fin des enchaînements, il y a un gros virage à droite. Ouais, il y a une sorte de courbe. Ouais. Je me demande si c'est pas ici d'ailleurs. Oui, c'est ici. Attention. Oh, beau dérapage en tout cas d'Aniki. Eh, vous êtes côte à côte hein, pour le moment. Deux prunes à deux. Il va trop vite là, c'est pas possible. Deux prunes à deux. Oh là, ils se sont chevauchés. Je sais pas, il y a une épingle quelque part, je crois, non? Ou on l'a passé? Non, celui-là, t'inquiète, y'a pas trop d'épingle. J'avais vu sur la map, y'avait une épingle. Non, mais non. Ah, dommage. Non, repars. Ouf. Oh, la double peine là. Putain, j'adore le doublage. Ah, voilà, là, l'épingle. Et là, on s'approche de la fin du circuit. Ah. Allez, mais non, mais roule! Ah, tu t'es fait arrêter. Ah, dommage. Mince. Vous avez presque fait un tour. Bon, considère que si t'as fini le tour, on va dire que t'as gagné Coulson, comme ça, on permet à Nicky de jouer. Faut que tu aies son tour quand même. Hein. Alors là, je reste concentré, voilà, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce circuit pour le moment, à Nicky?
Non, franchement, là, il est bien, mais dommage, les rails m'ont tout le temps arrêté. Même moi, parce que comme je prends beaucoup le la corde. Et oui, la corde dans ce jeu, c'est pas. C'est pas... Oh, t'as réussi à partir, t'as eu de la chance. En fait, au-delà d'une certaine vitesse minimale, ça passe. C'est ça. Je crois que c'est 60 km/h, quelque chose de ce genre. Ouais, du coup, on va laisser faire le deuxième tour. Hein. Alors là, vous voyez la carte, il y a de la police qui attend de là-bas. Ils ont préparé un barrage. On va te mettre des Hers. Non, pas les Hers. Je déteste les Hers. Mais ils y sont les Hers dans le jeu, je sais plus. Oui. Ah, dans ce jeu-là ? Oui. Ah, ok. Je pensais que c'était dans les jeux futurs là, de Nature Speed. Ouais, c'est vrai que c'était. Non, c'est à partir de là que ce sont apparus les Hers. Ok. Ah, mais c'était déjà en avance. Hein. T'es pas allé à droite. J'ai rien vu. Je sais plus s'il y avait les Hers dans Driver. Non. Non. Là, tu pouvais faire un jump, mais je prends pas le risque. Alors, vous en pensez quoi de la Jaguar XJR15? Elle est belle, hein? Je l'ai acheté à Alain Prost. Tu m'as tapé le volant. Tout droit! Ah, dommage. Elle a prise de risque. Quelle prise de risque? Faut faire du beau jeu, là. Oh là là, Boston. Ah, il est à 190 pour le moment. Là, il est fluide, là. Fluide. Bon, maintenant, si t'arrives à être fluide comme ça, à Need for Speed, ça veut dire que... Attends, c'est pas fini. À distance, ça se passe pas trop mal. Oh merde, pousse-toi. Ils y arrivent pas, les flics, hein, pour le moment. C'est là qu'ils m'envoient dans le décor. Ils s'en sortent super bien. Bah oui, grave. Ça drift, c'est tout le monde dans le virage. Ah, allez, enfin, allez, faire un 360 no-scope. Oh, non. Heureusement que t'avais de l'avance, parce que là je pense que tu aurais été. Non, mais la voiture est ultra sensible. C'est ça, quand on est à basse vitesse, en fait, les voitures ont tendance à trop glisser. C'est ça le piège. Avec les voitures plus puissantes, c'est encore pire. Et le pire, c'est si vous êtes en mode de conduite simulation, c'est encore pire. Simulation, ouais, c'est. Là, il y a un petit saut à prendre. Houston n'a pris aucun des éléments du circuit depuis tout à l'heure. Voilà, ils ont mis juste à la ligne d'arrivée là. Mais tu peux la franchir en plantant. Oh non. Ah putain, c'est fou ça. Bien joué. Eh, ils en sortent bien. Ils s'en sortent bien, ils s'en sortent très bien même. Oui, mais après, c'est le mode de jeu difficile, honnêtement. Ah, quatrième meilleur temps malgré tout. Malgré tout. Allez, vas-y, je te laisse faire continuer. Alors, on va faire. Est-ce que vous voulez faire une course ou est-ce que vous voulez faire encore un mode arrestation? Baron, t'en penses quoi? Comme tu veux. Moi, je suis moi. C'est toi le spécialiste Nature Speed. Ouais, mais bon. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre en mode course. Course normale. Ok. Course normale. Ça va, il y a knockout. Knockout, je crois que c'est le premier dans un tour qui est derrière pair. En fait, il y a trois courses, okay. Et le dernier de chaque course, il est éliminé. Ah, ok, ok. C'est ça. Alors, on va laisser en single race arcade beginner. Va dans les options. Options ? Non, c'est bon. On fait ça, je crois que les options, c'était... vous allez vous mettre en nuit. Voilà, et avec la pluie, s'il vous plaît. Oh oui, lolo. Pourquoi pas. Et vous allez reprendre le circuit de... tout premier, Phantom. Allez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que par contre, excuse-moi, reviens tout au début, je suis désolé. Tu vas. Alors, c'est Goodstone qui va prendre. Oui. 10 secondes de pénalité. C'est ça, hein? Ouais, 10 secondes de pénalité. C'est parti. C'est pas gentil, ça. Non. Mais potentiellement, ça sera inversé tout à l'heure. Vas-y. Alors la voiture. Alors vous allez tourner encore. Non plus. Vous allez prendre la Countach. La Countach. Je sais même pas comment on la prononce, mais. Qui est un peu plus difficile à manier que la Diablo. En même temps, elle a pas d'aileron à l'arrière, c'est normal.
Je l'ai en Twins, si vous voulez. Depuis que j'ai mis une manuelle en sur ma 4L, je rigue tout le monde sur l'autoroute. Alors trafic. Trafic. Donc, alors vous allez pas mettre d'opposants par contre, oui. D'accord. Et vous allez mettre du trafic, s'il vous plaît. Au maximum. Au maximum jusqu'au bout. Allez, start. Tu veux vraiment nous tuer, quoi, en fait. Exactement. Bah, on a... Ce qui est intéressant au jeu, c'est qu'on a pas mal de modes de variantes, donc c'est autant en profiter. Hein. Regardez-moi ces jantes. Oh, là, là. Il y a un mode histoire ou un mode carrière dans ce jeu? Alors, il y a plusieurs modes. Et il y a, en fait, c'est des championnats. Et les championnats permettent de débloquer après des niveaux de difficulté, niveaux de difficulté des voitures. Enfin, il y a, voilà. C'est sur ce format-là. Donc, c'est le même circuit tout à l'heure. Vous remarquez l'affichage qui est en vert, façon éclairage de tableau de bord. Ah, et bah, voilà. Oui, c'est vrai. Vous voyez que c'est un peu plus poussif hein, pour avancer. Ah, mais je vois rien. Et ben c'est ça justement qui va être drôle. Hop, hop, hop. What? Ah oui, ok. Ça va aller? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Vous voulez un soin? Non, oh. Mais non, mais... T'as réussi à prendre problème. Incroyablement le même arbre que tout à l'heure. C'est grave. C'est une catastrophe. Alors ce que je savais en fait dans ce mode de jeu, c'est qu'on voit rien devant nous. Du coup, ça va être un peu aléatoire, honnêtement. Alors, Baron, une astuce, appuie sur le bouton haut aussi. Tu verras. En haut ? Ouais. Ah voilà. Oui. Tu peux klaxonner. C'est les phares. Ouais, pour... D'accord, j'ai renversé un passant. D'ailleurs, il a failli se le prendre, le temps passant. Bah ouais, j'ai failli me le prendre. Derrière toi, je suis non. Tiens, oh. Attends, mais t'as complètement shunté le véhicule. Oui, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça, attention, hein. Gros virage à droite. Il est juste derrière moi, le gars. Mais non, mais vraiment, là, je me laisse complètement guider par toi, là. Il te doublera juste sur la ligne. Il va juste se patienter. J'y arrive, vrai. Ah, je vois rien, là, non. J'essaie de... Qu'est-ce que ça doit être énorme, à 4. Non, mais en plus, la voiture de la Countach, elle a une maniabilité assez atroce, quoi. Bah, honnêtement, ça reste contrebalancé parce que vous êtes sous la pluie. Donc, du coup, elle sera un peu plus lente. Ah, mais même... Ah, Niki qui nous a fait le syndrome de l'accident, quoi. Il a visé directement la voiture en face de lui, quoi. C'est serré, hein. C'est serré, oui, c'est serré. Non. Alors, autant dire que les 10 secondes de départ n'ont servi à rien, hein. Ah, ben non. Ça, y a vraiment du ça monde. Ça n'a eu aucun effet pour m'avantager. Ah, c'est le départ en vacances, ce Goodstone, hein. Ouais. Oh ouais. Oh, t'as reçu. Wow. Oui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trafic par contre. Ah ouais. Surtout en mode de joueur en fait, oui, c'est ça. Exactement. Alors l'avantage qu'on a, c'est comme le jeu, il affiche rien devant, bon potentiellement il gagne un peu à ce niveau. Pardon, désolé. Non. Okay, là je crois qu'on est tombé à 10 images secondes. Attention à droite. C'est quoi ça? Ah ok, d'accord. Ah bah là t'as potentiellement la victoire, Niki. Me portez pas l'œil. Allez, roule. Au moins je gagne une fois. Ah là il est en train de remonter très très vite. Non, je mets la pression, c'est pas vrai. Il est juste derrière toi. Arrête, je sais déjà. Oh, oula, il s'est passé quoi? Je sais même pas ce qui s'est passé. Vous voyez la différence de vitesse là, 60 km/h de plus pour Gustav qui est en train de remonter inexorablement. Let's go. Bravo, hein, écoute. Félicitations, première victoire du coup de Daniki. Bon, moi je pars pas fanny. Hein. Exactement ça. Alors ce que vous allez faire après c'est très simple, vous allez prendre exactement le même mode de jeu, sur un circuit, sauf que c'est Aniki qui va choisir la voiture. Ok.
et tu auras toujours 10 secondes de route d'avance. Mais honnêtement, ça change pas grand chose parce qu'on remarque quand même que le mode boost est vachement puissant dans ce jeu. Hop. Alors, pas hometown. On va changer de circuit un petit peu. Vous allez prendre de vous allez prendre, ça va être assez drôle. Vous allez prendre le Lost Canyon. Ah là là. Mon dieu. Alors, c'est pas forcément le circuit le plus difficile. Mais il y a énormément en fait de choix. Alors, au niveau de la véhicule, je vous laisse prendre ce que vous voulez. Libre, hein, c'est ça? Oui, mais vous deux, c'est-à-dire que vous pouvez pas oublier de prendre la même voiture. Je sais pas honnêtement. J'essaie d'apprendre une voiture, une voiture toute naze, mais bon. Ça, ça passe. Est-ce que par contre, toi, tu prends une voiture performante? Non, je prends une voiture toute naze comme toi. Ouais. D'accord. Allez hop, ça c'est fait. Alors, non, attention. Oui, c'est bon, il n'y a pas de dia, parfait. Donc ce circuit, je disais, l'avantage c'est qu'il y a énormément de trajectoires différentes en fait. Voilà, c'est un circuit qui est assez large, pas forcément facile en soi, mais assez large. Et il y a des gros, il y a des gros sauts. Il a gagné là. Et il y a des gros sauts à faire, vous allez voir aussi. Dans ce circuit-là, je me souviens plus. Attends. On va se faire envoyer par des ovnis. Vous avez peut-être en fait une portion que vous avez déjà faite. Oui, c'est, je vois. Bah, je crois que lui voit rien. Je crois que personne verra rien. Ah, c'est ah, bon. Voilà. Les pleins phares. Je sais ce qu'il m'avait dit. Limite, on serait capable de vous interdire à mettre les pleins phares, mais on va pas le faire quand même. Sinon, c'est trop compliqué. Allez, c'est bon. Je mets pas les pleins phares. Honnêtement, c'est vraiment de la survie là. C'est de la survie. Et qu'est-ce que c'est alors en mode poursuite? Non, mais là c'est de la survie dans le sens où. Ouf, Laurent a du mal. Hein. J'arrive pas à rester droit moi. Eh oui, parce que s'il pleut, et, ouais, il pleut, ça glisse. Ouais, il pleut, c'est ça quoi. Ah, ok. Moi, et plus t'es lent, plus quand tu veux accélérer, ça sera compliqué. Si t'as pas de grippe mécanique. Oh là 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 là. C'était joli ça par contre. Oh là là. Alors, c'est là pour dire, là, elles sont remis là où on. Ça glisse de partout. Alors, si tu veux un conseil, Baron, ne frôle jamais quoi que ce soit. Ouais, faut que j'arrête de prendre la corde. Et fais attention quand t'es en descente également, quoi. Là, vous allez voir, on va sortir du circuit de base. La progression est encore sur le premier circuit que vous avez fait tout à l'heure. Et ça va changer. Deux circuits en une ? Voilà, là maintenant vous allez changer de section. Oh purée. J'ai pris un cactus. J'ai pris un cactus dans le cul. Pardon. Ah ouais, là, je crois que la El Niño c'était le pire choix à ce niveau-là. Oh ouais. Je demande si on va pas arrêter le massacre au bout d'un tour. Hein. C'est oh bon là là. Mais... Le vainqueur sur un tour gagne. On va faire ça parce que là c'est vraiment impossible. D'accord. À gérer pour Eliki. C'était une mauvaise idée de prendre la ligne. Ouais, c'est complètement une mauvaise idée. Et ce que vous ferez d'ailleurs sur le prochain mode, vous allez faire le même circuit, mais deux jours. D'accord. Ah ouais, elle est si compliquée que ça en vrai. Oh oui, elle est brutale la voiture, c'est ça. Et oui, parce que là on a mis la mode pluie aussi. Donc on n'a pas eu de mode pluie, je pense que ça aurait été peut-être plus simple. Non, mais c'est bon, on va aller jusqu'au bout. C'est toi il qui est pas trop bon là, dommage. Je le vois. Alors là. Putain, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Alors le fameux passage où il y a un saut à faire sur le côté. Ici, voilà, on l'a vu, mais ah c'est oui. Un peu tard. Ah oui, c'est vrai. Oula. Oh mon dieu. Non, plus de voix, je vois ton point là. Par contre, remets le vers le haut parce que tu vois plus rien là, tes phares. Voilà. Non. Voilà, la fameuse portion, justement. Enfin, une des parties de la fameuse portion. En fait, pendant un moment, j'ai pu revenir en essayant de rôder le mur. Ouais, mais ça marche pas, en fait, tout le temps, parce qu'après... Ouais, ça marche pas partout, ouais, c'est ça.
Il est là, je le vois, je sais qu'il est là. Voilà, fin de cette partie, justement, on a plusieurs trajectoires disponibles. Mon dieu. On a entreaperçu. Oui. Ah, il va me rattraper, c'est sûr. Pour l'instant, t'es encore assez loin. Alors après, potentiellement qu'avec un deuxième tour de circuit, ça ira mieux. Hein. Oh là là. Après, il faut regarder aussi la map. Non, c'était ouais. Bon, mais... Ouais. Ah, parfois, t'as des passants qui roulent n'importe comment, quoi. Vous avez rejoint la section de fin du premier circuit, voilà, vous avez fini le premier tour. On a survécu, incroyable. Pouah. Dégage là. Remets ton truc vers le haut, Niki, sinon tu verras rien. Je l'avais mis, non? Là, ah, c'est bon. Et oui, t'as tendance à appuyer sur la touche du vers le haut. Elle est là, incroyable à piloter, la Niki, voilà. Oui. Je vais mettre de l'essence. C'est bien avec l'orage, parfois on a des moments de flash. C'est ouais, ça, je pense que c'est genre une imitation de la... C'est quoi, c'est la route 66? Vous savez où il y a le Area 51? Roosevelt? La zone 51, ouais. C'est ah, un peu ça. Je sais pas. Alors, bonne question, je sais absolument pas. Ouais, c'est un peu ça. Parce que j'ai vu un peu... Genre comme s'il y avait des extraterrestres et tout, tu vois. Ouais, il y a sûrement des easter eggs dans le jeu, mais... Non, attention. Mais je les connais pas. Elle a l'air incroyablement difficile à piloter. À chaque fois, je te vois faire l'opposé. C'est... Si, j'ai accès à ce truc. La merde, Boston, il est loin. Ah bah là, oui. Mais en vrai, ce mode de jeu et ce... Cette configuration, vaut mieux prendre une voiture lente et passer des virages tranquillement que... Ah, c'est ça, c'est que je dis, c'est un mode survie, c'est que c'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le... C'est celui qui fera le moins d'erreurs, tout simplement. Pourtant, des erreurs, j'en fais énormément, là aussi. Ouais, mais quand je vois Niki, c'est fou. On est instable, c'est tellement compliqué. C'est une balle de flipper, en fait. Ah! Allez, retenez. Là, tu vois, là, il est là, je le vois. À droite. Aïe! Non! Mais en plus, je l'ai vu, il a pris le raccourci. Retenez bien le circuit parce qu'après, vous allez le refaire. Aïe, voilà. Attention. Je le sens pas. Vous allez le faire deux jours, vous inquiétez pas. C'est, ça me paraît un peu facile. Un peu facile? Il y a un raccourci que t'as pris, non? Pardon? Ça, t'as pris un raccourci? Non, non. Ah bah, ouais, regarde. Mais qu'est-ce que tu veux anticiper, quoi que ce soit, quoi. Ça, c'est limite le jeu de voiture avec la distance d'affichage de Super Nintendo, quoi. De Super Nintendo. Oh, joli. Oh là là, pas mal. Eh oui, hein. Ah, de toute façon, t'as encore changé ton... Ouais, voilà. Non, je sais qu'il y a un mur, là, par loin. Vous voyez, il y a des boss, il y a plein de choses. Mais la lumière, elle se désactive toute seule, hein. Ah bon? C'est pas moi qui ai appuyé. Ouais, ah, ouais, je te jure. Tu joues avec les touches classiques ou avec l'analogique? Non, avec l'analogique. Et potentiellement, tu dois un peu bouger vers le haut, vers le bas, et ça doit... Non, je me souviens pas, genre, même la croix directionnelle, je ou je sais quand tu touches quelque chose, peut-être. Ah non, t'as toujours regardé là. Pousse-toi! Dégage! Oh non! En plus! Non! La ligne! Bravo! Ah, ça c'est. Oh, ça se finit sur un éclair, incroyable! Attends, je vais voir l'écart. L'écart sur quoi, pardon? En course, attends. Alors. Mais lui, alors... à côté, il y a même pas 20 millième, pardon. Il y a rien.
Allez, vous allez retirer le mode de... On va faire une petite dernière. Vous allez retirer le... La nuit. Ouais. Et la pluie, aussi. D'accord. Je laisse comme ça ? On va garder 10 secondes, ouais. Merci. À quoi ? Alors, c'est off, off. L'Oscadion, on va leur changer, vas-y. Aquatica, Summit Opacity. On va garder l'Oscadion. Et vous choisissez le véhicule que vous voulez. Ah, j'allais la prendre, mais vas-y. Non, non, vas-y. Non, bah, on prend la même, hein, y'a pas de soucis. Hein. Vas-y, go. La celle qui a GTR ? Ouais, ouais. Allez, un cadeau, une dernière fois la route. C'est bon ? Pas d'IA, oui, c'est chez la commande, soit. Ah, c'est important. Mec, trafic également ? Exactement. Mmh. Ah, les chansons, enfin les musiques. C'est ça qu'a choisi la fameuse peinture MD10. C'est dans quoi MD10 ? Des nouvelles de Kruger en fait. T'es entre une quand on t'entend qu'un mec qui est. S'il dit quoi il s'appelle le mec ? Qu'un mec qui dort pas, qui aille se coucher, je sais pas ce qu'il dit. Kruger, c'est ça ? Ouais, Kruger. Kruger, ouais, ça. Ouais, c'est Kruger. C'est comme le porte-salut, c'est écrit au-dessus. C'est écrit au-dessus. Allez, c'est parti. Donc, on rappelle 10 secondes d'avantage pour Anuki. Qui, déjà, de toute façon, a sauvé l'honneur parce qu'elle a déjà gagné une fois. Donc. Attention, gros virage. Mais non, non, mais... Ça a failli être le déplacement. C'était pas mal. Alors elle est plus maniable que la Ligno, mais elle va très vite, donc Ouais, enfin, c'est relatif, hein. Oui, oui, mais elle est quand même plus maniable que la Ligno. Ça va. C'est vrai que les distances, c'est... Oh. Attention. Mais... Allez, du côte à côte. Mais c'est impensable! C'est un. Ouh, je pense qu'il y a eu un accrochage. Attention au mur, voilà. Ouais, ok. J'aime bien ce que t'as indiqué, esquivé sur l'extérieur, c'est totalement improbable, mais c'est passé. Ouh. Et double. Allez! Alors, ça aurait été marrant qu'il y ait un compteur de poids. Ah, t'es pas retombé droit. Par contre, t'es quand même repassé devant, subtilement, mais. Waouh! Ah, on se prépare pour les JO, hein. Alors, attention, on veut pas qu'il y ait un petit raccourci à droite là, si vous allez tout droit. Yes, les deux ils sont allés, attention! Alors, c'est casse-gueule, évidemment. Ça se tire la bourre, là c'est pas loin, c'est parfait. Ça se tire la bourre, allez hop. Entre Baron et Goodstone, GTS contre Dragotron, qui va gagner. Sur le trophéo Need for Speed. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, trophéo, c'était à l'époque en Formule 1, il y avait quelques équipes italiennes et parfois d'autres. Surtout des petites équipes. Oui, juste ça. Qui... Ouais. Qui faisaient la course sur des circuits. Oui, Ferrari aussi, là, tout ça, ouais, c'est ça. Voilà. Et cool. Hors championnat. Et c'était par élimination en 1 contre 1. Ce qui ne se fait plus. C'est le moyen de voir les petites équipes italiennes me scorer. Voilà. Pardon. Pardon, j'ai rien dit. Oh, oh là là. Bah, je vois que ça a été double. double attention. Et là.
tes barrières là. Ah, ça, la personne est partie là. Ouh, dommage. Oh, c'est bon. Ça aurait pu être pire. L'entre deux était magnifique. Là, c'est le deuxième tour là. Exactement. Il est où, Guston? Il est loin. Alors, il a pris le virage. Attention, il y a un gros virage à droite, je préfère encore te le dire, parce que voilà, au cas où, encore à nouveau ici. Il y a un copilote hein, pour le P2 pour le moment. T'es le spotter, quoi. C'est ça. Right, left. Ah, merde. Ouais, tu peux aller à droite si tu veux aussi. C'est... Ça sert vraiment à rien. Tu peux même aller tout droit aussi. Ah, dommage. Oh. Ah, mais là le coéquipier que j'ai, le copilote que j'ai. C'était juste pour plaisir d'avoir quelqu'un aller dessus, hein. Désolé, mais... Dis-le qu'il fait ça bénévolement. Hein. Le problème, c'est que Gusson ne fait pas le spectacle, malheureusement. Sammy, you're crashing the car. Sammy... C'est une victoire à la Verstappen, on s'emmerde. Ah bah merci. Ah dommage. Allez, mais on veut devoir faire des figures, prendre des raccourcis, faire du sens inverse, 360 notes scope, enfin ce que tu veux, mais... Ah bah... Je veux bien, mais bon. La victoire c'est... d'abord. Non, oui, ouais. Verstappen. Du coup, ça va être compliqué là pour remonter, parce que même en coupant, on gagne pas beaucoup. Ah, on sent qu'il a tenté de freiner. Oh là, dommage, il s'est garé. Ça n'a pas d'intérêt, malheureusement, mais... Moi, je suis venu que pour le jour. La voiture, elle est instable au freinage, quoi, aussi. Du coup... C'est quand même dans ces moments-là qu'on voit que le jeu est extrêmement vieilli, hein, au niveau du maniement, les collisions, même si ça reste assez fun. Les collisions, il y a des jeux qui ne vieillissent pas, mais les jeux PS1, là, ça a bien vieilli. Ouais. Alors, je précise que c'est des miles par heure, on n'a pas trop parlé, c'est pas des kilomètres c'est par ça, heure. C'est ça, ouais. Oui, parce que bon, là... Même dans la version européenne ? Non. En fait, on pourrait même changer, là, je crois, dans les options, mais on l'a pas fait. Attention, il ne pas trop prendre à droite après, parce que sinon il y a le... Voilà, parfait. Sinon il y a le mur de tout à l'heure. Allez hop. Nous, à l'époque, quand on avait ça, on était heureux, hein. Et Gusteau qui finit en figure. Voilà, c'est pas assez spectaculaire. Allez, on est quasiment à l'heure de vidéo. Est-ce que vous voulez faire une dernière? Comme tu veux, oui, si vous voulez, allez-y. Ah, écoute, vas-y. Vous êtes libre de choisir le bot que vous voulez, les options que vous voulez. Vas-y. L'autre, je laisse Gusson parce qu'il connaît mieux, donc... Baron, vas-y. Gusson, vas-y, choisis. Connais mieux le jeu. Ah, je sais pas. Tu veux refaire un mode poursuite? Vas-y, comme tu veux. Vas-y moi, pour que tu vois l'arrivée, quoi. Ouais, au moins que je vois l'arrivée, parce que déjà, j'ai pas passé un tour dans les deux sessions qu'on a fait en haute poursuite. Ça serait pas mal. Je sais pas. En Pierre City, c'est un peu difficile, mais bon. C'est ça le problème. On va essayer un circuit que tu connais, peut-être, qu'on connaît. Hometown, ça va, je commence à le connaître, Hometown. Hometown, encore. Est-ce qu'on prend les mêmes voitures? Oh, on est libre, hein, écoute. Ouais, t'as pris quoi, toi? T'as pris la Countach? La Diablo. Et tu l'as pris en quelle couleur? En rouge. Rouge. Allez. Bon bah voilà. Au moins on va essayer de passer un tour. Hein.
Voilà, celui qui gagne celle-là remporte entièrement la partie. Ok. Et sans mettre la pression. De toute façon, Gustan a déjà gagné en termes de poids, donc c'est pas... Ah oui, Gustan, c'est pas loin. Allez, bonne chance à vous. Merci. Que le meilleur flic gagne. Alors, je trouve ça fort qu'ils aient quand même gardé l'avion au-dessus, alors que ça va prendre des polygones, mais bon. Ah, déjà. Au moins, je vais essayer de passer un tour. Au moins un tour. Alors, vous avez pris des véhicules assez équivalents, donc ça devrait le faire à ce niveau-là. Oh, le genre de... Oh, c'est bon, ça va passer, ça aurait pu être pire. Mais non. Mais non, où le... Alors, tu as la chance, tu as aucun policier à côté de toi. Ouais, c'est ça, t'as aucun policier, là. Ouais, ils sont tous sur Gustav, là. Exactement. Oui, c'est ça. Des racistes. Ah, pardon. Pardon. Je suis sûr que tu dis ça parce que t'es noir. Bien évidemment. Ah oui, puis autre chose assez sympa, vous remarquez que la police n'a pas les mêmes véhicules suivant où on est. Oui, selon la localisation, ouais. Ah, les skins changent, enfin, les livrets changent. Voilà. Non, même les modèles changent. Oui, les modèles, voilà, tiens. Alors, il y a un code qui est assez drôle à faire dans ce jeu, que bon, ça n'a pas eu l'occasion de faire ici, qui permet en klaxonnant de faire valser tous les véhicules autour de soi. J'ai plus le souvenir de ça par contre. Ce qui en soi assez drôle. En tout cas, en mode à jour. T'as essayé là? D'accord. J'ai klaxonné au cas où. Il a essayé. C'est sûr. On sait jamais, hein. On sait jamais, hein, si ça peut marcher, c'est un malentendu. En tout cas, il y en a un qui est tranquille pour le moment. Et c'est pas le joueur, hein. En tout cas, tu as réussi ton pari, en tout cas, tu as réussi le premier tour. Ça va, ouais. Et personne n'a pris de prune aussi. Ah, oulala, ça fait un drame. Pour le joueur 2. Oh, non, mais oh, c'était magnifique. C'était joli, ça. C'est horrible. Oh, putain. Candelo sur 20. Candelo. Il a bien mérité son bol de riz, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh! Oh, le double! Le double! Oui, à travers le. Oh non! Vite, marche arrière! Accélération, vite! Non, non, ah, non! Je sais pas comment il faut faire! Oh, les deux! Oh, attention à l'air! C'est des... Oh, il y a des Hertz! Oui, j'ai vu les Hertz, c'est dernier moment! Ouf! Alors, on est presque à la fin du circuit, donc là, ça va se jouer à pas grand chose. Allez, c'est la dernière ligne droite. Dans la logique, personne ne sera arrêté parce qu'il faudrait trop d'amendes. Mais, en tout cas, ils sont très proches. Hey. Alors, est-ce qu'il va avoir le boost au dernier moment pour pouvoir le rattraper? On est sur la fin, sur la ligne d'arrivée. Et Aniki qui va s'imposer. Yes. Et voilà, Aniki qui a été supérieur depuis le début de la vidéo et qui s'impose comme d'habitude. Logiquement, très logiquement. Très logiquement. Bon, bah c'est très bien, ça se finit sur voilà. Une belle bataille. C'est une bonne note. Allez, votre conclusion, chacun. Spoilt. Seul, vas-y. Voilà. Très bonne découverte et de belles courses, c'était sympa, c'était cool, merci. Est-ce qu'il y a un truc que tu as pas aimé dans le jeu, par contre? Ah, c'est plus les distances entre... Enfin, les distances d'affichage. Souvent, j'hésitais en fait où y aller, soit à la droite, soit à gauche, parce que ça mettait du temps à pouvoir se faire vu les images. Enfin, je sais pas, je oui. Ce que je veux dire. D'accord, oui, non, mais oui, c'est ça que le fait de rien voir devant, c'est assez pénible. C'est assez compliqué, ouais. Mais sinon, non, c'est une bonne découverte. Le mode poursuite est vraiment plus fun que le mode course, en tout cas, ça c'est sûr.
D'accord. Et Goodson, à toi de ce que t'en as pensé. Enfin, tu te connaissais plus ou moins aussi. Mais... Bah écoute, ça a été une bonne redécouverte, même s'il y a certains éléments que... qui ont vraiment très mal vieilli, quoi. Comme la maniabilité, c'est ça. Ah, la maniabilité, ouais. Mais vraiment, j'ai pris un vrai plaisir à refaire le mode poursuite, quoi. C'est toujours aussi jouissif. Goodson, ah, toi, tu as joué aux deux c'est... Non. Kim, toi, tu as joué au 2, toi, non? Moins qu'au 3. Mais potentiellement, il y aura peut-être une revanche sur le 2. Mais j'ai l'impression que le 3, les voitures sont un petit peu plus rigides que le 2. Le 2, dans mon esprit, c'était un peu plus simple à les manier que là, le 3, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rigide. Donc peut-être qu'ils ont dû améliorer ça pour essayer de se rapprocher de la réalité. C'est possible, effectivement. J'ai plus trop souvenir, mais je sais qu'il y a eu un petit changement sur les véhicules entre le 2 et le 3, ça c'est sûr. Puis même au niveau des circuits, hein. Les circuits du 2 sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus longs, on voit beaucoup plus loin. Il y a moins de détails aussi, hein, mais quelques différences à ce niveau-là. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, en tout cas bonne vidéo, c'était très sympa. On se retrouve pour un autre épisode, je vous dis pas sur quoi évidemment, vous le saurez dans les prochaines. Ciao tout le monde. Salut.